The founder has decided de s'investir, de dépenser son énergie, to invest, to use his energy. Tout ce qu'il a, il a investi dans ce projet. Everything that he has invested it in this project. Alors, il a même prêté de l'argent aux États-Unis dans trois banques. He has even borrowed
money from three financial society in the USA. Quand le prêt là n'a pas suffi, il a décidé également de venir au Togo et de faire encore des prêts dans la microfinance. Because that money is not sufficient, he decided to come to Togo and borrow money again from financial societies to continue his projects. Alors, nous voyons que une seule personne ne peut pas faire face à toutes ces dépenses. We can see that one single person cannot face this big program. Il a assez fait. He has done enough. Mais il faut aujourd'hui que quelqu'un décide de l'aider. It is now necessary that somebody decided to help him. Il faut que quelqu'un décide de nous aider dans cette mission. Somebody must decide to help us in this area. Vous voyez, notre espace est très exigu. You can see the space is very, very small. Nous avons besoin vraiment d'espace. We truly need space. We truly need a very big space for our school. Alors, cette petite cour pour 600 élèves est très insuffisante. This small playground for 600 students is very, very small. Alors, le bâtiment, malgré les efforts du fondateur, est inachevé. The building, as you can see, although the founder is making effort, it is still on this stage. Parce que les moyens sont limités. Because the means are limited. Alors, nous avons besoin qu'on nous élève ce bâtiment pour qu'on ait un lycée, pour qu'on ait à la prochaine fois une université ici. Okay, we need that somebody can help us so that in the coming years we have a senior high school, even university in this school. Alors, cette vision est partie pour aller, pour durer. This vision starts to continue forever and ever. Alors, nous avons besoin d'un terrain de foot. We need a football stadium. Nous avons besoin d'un terrain de sport. We need a sports stadium. We need a stadium for sport activities. Alors, pour le moment, nous n'en avons pas. For this time, we don't have any. Alors, nous en avons vraiment besoin. We truly need that. Cette année, nous avons des candidats au BPC. This year, we have candidates for BPC examination. Alors, le sport est une matière obligatoire à l'examen. The sport is a subject that is obligatory for the students. Mais nous n'avons pas de terrain de sport. Qu'allons-nous faire? But we don't have any stadium. What are we going to do? Alors, nous avons de sérieux problèmes. We have serious problems. Si on peut nous aider à trouver un terrain de sport pour nos enfants, ça pourrait nous arranger. If they can find a stadium for our students, that will arrange us. Alors, nous avons besoin d'une bibliothèque. Parce que une bibliothèque, c'est ça qui forme. We need a library because with library, students can learn more. Alors, une bibliothèque dans l'enceinte est une nécessité pour nous. A library in this school is a necessity for us. Dans les classes, à cause de l'exécuté de l'espace réduit, ne sont pas assez spacieux. In our classes, because the playground is not big, the classes also are too small. Donc nous avons besoin vraiment d'espace. We need truly space. Le fondateur, malgré sa volonté d'investir tout ce qu'il a dans cette mission, ne peut pas tout faire, ne peut pas faire tout lui seul. The founder, although he decided to do everything, he cannot do it alone. Dans les classes, nous avons besoin des armoires. In the classes, we need cupboards. Nous avons besoin dans les classes du matériel pédagogique. We need didactic materials for the work. Alors, nos besoins sont vraiment énormes. Our needs are very great. Nous sommes dans un milieu pauvre. We are in a poor area. Alors, nous avons vraiment besoin de faire des œuvres sociales. We need truly to do social. Nous avons besoin également au sein de l'école, Ma Excellence, une cantine scolaire. We also need a restaurant in our restaurant for students in our school. Alors, des élèves viennent de très loin. Some students come from far.
Donc nous avons besoin d'un bus scolaire. We need a school bus. Nous avons vraiment besoin d'un bus scolaire pour aider ceux qui vivent loin de l'école à venir sans difficulté à l'heure à l'école. We truly need a school bus to help those who come from far to come to school on time. Donc nous prions toute la bonne volonté d'ici et d'ailleurs. We are therefore pleading anybody from here or from anywhere. Celui qui sème récolte toujours ce qu'il a semé. The one who sows always harvest what he has sown. Chacun de nous doit s'investir pour que Dieu un jour reconnaisse que lui, quand je l'ai envoyé sur terre, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Anyone must invest himself so that one day God recognizes that when he was on the earth, he had done this, he had done that. Dans les classes, nous avons besoin des matériels comme les armoires, les bureaux, etc., etc. So in the classes, we need things like what the teachers need to work, and we need a cupboard, and we need also anything that the teacher can use so that he does a very good job. Si cette mission a pour seul source le fondateur, elle ne peut pas aller loin parce que elle est grande. Cette mission, cette vision est grande. Okay. If the founder must be the only one who will take up this project, I think that he cannot do it alone because the vision is very great. L'installation de ma excellence dans ce quartier, dans ce milieu, est une véritable solution à la déscolarisation des enfants. So the creation of the school, my excellency, in this area is a true solution for the students who don't go to school. Parce que quand nous voyons dans le milieu, des jeunes traînent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins jusqu'à venir à l'école. Because if you see, you look at people in this area, children are wondering about because they don't have that meal to come to school. Nous avons un merveilleux plan pour ce projet. We have a marvelous plan for this project. Mais ce projet-là, ce plan ne peut pas sortir de la terre s'il n'y a pas de quoi le soutenir. This project, this plan cannot come out of the earth if there isn't anything to sustain it. Alors, nous avons le devoir. So we have the duty de faire notre part. To do our portion. Alors, les enseignants qui sont en train d'encadrer les enfants, the teachers who are teaching the students ont aussi besoin d'une bienséance. Ils ont aussi besoin que leur situation soit un peu améliorée pour qu'ils soient dans leur état et bien enseignant les élèves. So the teachers who teach in this school also need that their situation changes. They need an improvement of their situation so that they must be in a good state to do their work. Nous remercions tous ceux qui sont de bonne volonté et qui vont semer dans cette vision, qui n'est pas d'un homme mais de Dieu. And we thank all the volunteers who decide to invest in this project. Alors, vous n'aurez pas investi inutilement. Dieu vous le reconnaîtra. You are not going to invest in vain. God will recognize that for you. Alors, que Dieu soit avec vous. May God be with you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et tous vos gestes. And any action. Parce qu'il est fidèle, Dieu. Because he is faithful. Je vous remercie. I thank you. Thank you very much. Parce qu'il y a un manque de moyens. Because here is the toilet is not completed because we need money for that. Parce que le fondateur n'a plus rien pour continuer le travail. Because the founder lack money to continue the project. Vous voyez. As you can see, this is the toilet for the children. Après avoir prêté de l'argent, il a tout dépensé. After he had borrowed money from the financial societies, he had used all those money. Il a dû quitter précipitamment avec la douleur au corps parce qu'il n'a plus de moyens pour continuer.
He left like that because he had not any money to continue the project. And he left with bitterness in his heart. Alors, dans une école de 600, avec un espèce de 600, on a besoin vraiment de sanitaire. Okay, in a school of 600 students, we truly need toilets. Nous avons besoin d'une infirmerie. Yes, we also need hospital for students. Parce que avec 600 élèves, nous avons vraiment besoin d'une infirmerie. With 600 students, we truly need hospital. Que le Seigneur nous aide. May God help us. Il faut que quelqu'un se rende disponible au Seigneur. May somebody take himself, himself available for God. Nous sommes prêts à aller très loin dans ce projet. We are very ready to go far in this project. Mais franchement, les moyens nous manquent. But honestly, we don't have means to achieve that. Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. But today, the world becomes a small village. Nous avons le projet d'avoir une grande salle de conférences et de vidéoconférences. We want to have a big hall for the video conference. Si nous avons les moyens, si par la grâce de Dieu, nous avons les moyens, nous allons créer cette vidéoconférence, cette salle de vidéoconférence dans cet espace. Okay. If by the grace of God, we have the means, we are going to build that video conference hall on this space that we are seeing here. We are now in an uncompleted class. Pourquoi Why didn't they finish this? C'est le problème de manque de moyens financiers. That is the lack of financial means. Vous pouvez voir les tuyaux en train de tomber par terre. You can see the pipes everywhere on the earth. Parce que il n'y a pas de moyens, on a dû arrêter le travail. Because you don't have financial means, you have to stop the job, the work. Franchement, le fondateur a tout fait. Truly, honestly, the founder has done everything. Il est arrivé, il s'est essoufflé. Now that he is financially tired. Gratuitement, mais les gens acceptent de vous donner le matériel pour le matériel. Okay, he has bought things from people to build this hall and to pay the money after the construction. Le gravier, c'est la même chose. The stones used is the same thing. Le ciment qu'on a utilisé ici, c'est la même chose. The cement that is used here is the same thing. Les tuyaux que vous voyez là, on n'a pas payé ça avec de l'argent tout de suite. The pipes that you are seeing everywhere like this, the founder didn't buy them and pay immediately. He bought them like this, and after the building, he will pay. Alors, il travaille aux États-Unis, mais il ne bénéficie pas de cela lui-même. Okay, he is working in the United States of America, but he's not benefiting from that work in the U.S. Il a décidé d'investir cela dans la vie de ses frères et sœurs. He decided to invest that in the life of his brothers and sisters from Togo. Cette œuvre est louable. This activity is very good to accept, to appreciate. Nous invitons tout le monde à s'y associer. We are inviting everybody to put his hands in this job. So my name is Madame Gaito Akwavi Patanyo. I am the teacher of the infant class second grade. Nous avons tellement de besoins ici, donc au niveau d'équipement, nous avons encore besoin de salles de classe. In matter of equipment, we also need classes. Afin que les élèves puissent bien travailler. So that the students work good.
besoin d'une infirmerie. Parce que souvent, quand les enfants tombent malades, nous avons besoin de laisser les autres les amener là-dedans. Donc, on a besoin d'une infirmerie. Sometimes the students are sick in the school, so we don't know how to help them. So therefore, we need a hospital. We need a medicament hall to take care of those children sick during the lesson. Nous avons aussi besoin d'une bibliothèque pour pouvoir aider les enfants au niveau de la culture aussi. But we also need a library for this school so that students that we have can also learn more. Il y a des enfants qui arrivent de très loin. Donc on a besoin aussi d'un bus pour le transport des élèves. So as we said it, there are some students who come from far, and we also need school bus for them so that they can come to school on time. Nous avons besoin de planches pour pouvoir bien expliquer les cours de la classe concrète. So for the infant class second grade, we surely need materials for the work. Et pour nous les enseignants même, il y a beaucoup de teachers. We come to most of us come to school on foot. So we also decided to take good care of our students, so our salary also must be increased. Yes. We also need staff room for teachers so that during the break teachers also can stay there to rest. Thank you very much. Ok, je réponds au nom de Agbo et plus Situ, titulaire de la classe de CP1. Yes, my name is Mr. Agbo Ekru. I am the teacher of infant class first grade. Bon, notre objectif est de donner une éducation peignée aux enfants. Our target is to give good education to the students. Et notre but est d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détournent pas. Yeah, so our aim is to teach the students on the straight way so that when they grow up, they never turn back from the truth. Pour cela, nous avons besoin de quelques matériaux pour le bon déroulement des travaux. So for that, we need some instruments for the good going on of our work. Ok. Nous avons besoin des planches en langage lecture pour que les enfants puissent bien s'exprimer dans les différentes situations de la vie quotidienne. We need books like planches, we call them planches in our language, in French, and we need those books to help the students work better. Ok, dans nos classes, nous avons besoin aussi des gravures ou affiches sur lesquelles sont inscrits des dessins pour que les enfants puissent connaître certains objets familiers. So we also need in our class some bills on which two students can draw so that they can be familiar to some realities. Alors pour cela aussi, on dit souvent que la santé avant tout. Donc nous voulons aussi être assurés en cas de maladie dans ce travail. Ok. That prevention is better than cure. So it is very necessary that teachers also has insurance for in case they are sick. Okay, merci beaucoup. C'est ça pour l'instant. Okay, thank you very much. That is what I have for you for this moment. My name is Madame Kombaté. And I'm the holder of the nursery school. Je m'occupe des enfants de 3 à 5 ans. Je les prépare pour la classe de CP1. And I take care of children from 3 to 5 years. Toys, seesaw, and many things for their activities. Ils ont besoin de toboggans, tourniquets, balançoires pour s'amuser pendant la récréation. Okay, they need what we call toboggan, tourniquet, and seesaw to just joke during the break. En classe, nous avons besoin de points de jeu, des jouets, comme les poupées, de différentes formes, ça peut être
in the class. Nous avons besoin des peintures de différentes couleurs, les pinceaux. For the drawing, and we need different colors so that the children can draw things themselves. And we need also things to decorate the classroom. Nous avons besoin de l'armoire dans la salle du jardin pour garder les fournitures des enfants. We need le bureau de Tata. We need cupboards to keep the students' books in it. And we need also the office of their teacher in the classroom. Nous avons besoin aussi des panneaux tissus pour là au moment où les enfants chient, on lave leurs choses là. En ce moment, on les change avec les petits morceaux de panneaux là. En attendant que leurs choses sèchent. Yes, we also need clothes to take care of the children for their toilets.